Waouh. Le tissu, très bonne qualité. Le pagne africain. Ouf. Non, waouh, c'est waouh quoi. Yeah. Life is good. Yeah, LG. Life is good. La vie est beau. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur AfrigaZone, la chaîne de l'Afrique qui gagne, la chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale, la chaîne qui connecte la diaspora à la terre natale qu'est l'Afrique. Et vous savez, l'Afrique c'est notre pays et les pays sont nos quartiers. Alors bienvenue dans Africa Homes et aujourd'hui spécialement, nous sommes à Accra, nous sommes au Ghana, à Accra, la capitale, et spécialement à East Legon, un quartier très chic, un quartier que j'adore beaucoup. Et je vous assure, vous allez aimer aussi. Si vous n'êtes jamais venu ici, je vous assure, après avoir vu ceci, vous aurez envie de prendre tout de suite un bus ou bien un avion pour descendre à Accra. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous faire visiter une maison sublime qu'un compatriote africain a accepté de nous faire visiter. Voilà, il a accepté de nous ouvrir les portes de cette maison afin que nous puissions voir un peu comment il a bâti cette maison, afin que nous puissions découvrir, vous voyez, l'inspiration. Donc, aujourd'hui, on va faire un voyage ensemble pour contempler cette belle maison, cette belle demeure, juste pour nous inspirer. Alors, je vous invite aussi, si vous avez une demeure qui peut nous inspirer, qui peut inspirer nos compatriotes dans leur projet de construction, alors n'hésitez pas, contactez-nous, contactez les numéros qui s'affichent et nous descendrons. Et comme ça, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, d'abord, je te recommande, si tu es le nouveau sur la chaîne, si tu viens d'arriver, je te recommande de t'abonner, de souscrire à cette chaîne, parce que cela contribue énormément au développement de notre belle Afrique. Partage cette vidéo, laisse des commentaires, et si tu as des idées à nous avancer, des propositions à faire, des suggestions à faire, je t'invite à les mettre en commentaire. Alors, suivez mon regard, allons-y. Ok, voilà, nous voici dans la maison et je vous assure, vous allez aimer. Voici cette partie, c'est la résidence privée du propriétaire de cette maison. Et la maison, je précise, elle est bâtie sur un espace de deux lots, un terrain de deux lots. Et bon, c'est comme ça que nous l'appelons à Lomé au Togo. Je ne sais pas comment on l'appelle ici, mais ça fait pratiquement 550 mètres carrés fois 2. Voilà. Donc, ici, c'est la résidence privée. Vous voyez déjà le gazon qui est bien planté. Et voilà, climatisé. Bien, il y a les fleurs par ici, les fleurs par là. Voilà. Un très beau chef-d'œuvre, je vous assure. Donc, vous-même, regardez, contemplez déjà. Contemplez la nature, la convivialité. Voilà, la convivialité, il y a vraiment une harmonie ici. Cette maison est vraiment harmonique. Vous voyez déjà, donc, voilà, ici, vous avez les fleurs. Vous avez une terrasse par ici. Il y a une terrasse par ici. Voilà. Et un espace, déjà, ici, pour garer, hein, des voitures.
autant que vous voulez, des voitures, hein, en nombre vraiment, voilà, à volonté, quoi. Voilà, l'espace est vraiment large ici. Il y a le garage par là, un garage privé, bien sûr. Et on fait rentrer la voiture. Maintenant, pour protéger les voitures contre les cambriolages, voilà, il y a deux autres garages ici. Voilà, deux garages d'une voiture chacun. Et là-bas, vous pouvez faire rentrer votre voiture et protéger contre les cambriolages. Voilà. OK. L'aventure continue. Je vous assure, j'adore cette maison. J'adore. J'adore. Oui, parce que une fois rentré dans cette maison, j'ai dit « waouh ». Non. Non. J'ai dit « waouh ». Vraiment, c'est magnifique. On y va. Et surtout, si vous aimez ce qu'on fait ici, si vous aimez cette maison, abonnez-vous, OK? Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Non, je t'assure, fais-le, 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 s'il te plaît. Oh là! Vas-y, clique, clique. C'est là-bas, en bas. S'abonner. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Comme ça, tu auras toutes les vidéos. Si tu veux voir de belles maisons comme ceci, de plus belles que celle-ci, je t'assure, abonne-toi. Tu ne vas pas regretter. On y va. Alors déjà, ici, nous avons le groupe électrogène. Il y a un groupe électrogène par ici. Donc, vous n'aurez pas à vous plaindre de coupures de courant ou quoi que ce soit. Voilà. Le groupe électrogène est là-bas. Et il y a aussi une tank. Hein, une tank à l'intérieur pour de l'eau, pour stocker de l'eau. Et voilà, on continue notre aventure. Donc, je suis rentré par le garage, voilà, disons, le garage des locataires, parce qu'il y a une partie, une dépendance pour les locataires, ou bien pour accueillir la famille. Le propriétaire a prévu tout ça pour accueillir la famille, les amis et tout, mais aussi pour accueillir des visiteurs. Vous qui venez à Accra, vous qui venez à East Legon pour faire passer un séjour, pour faire quelques jours, vous n'avez pas à vous plaindre d'où vous allez loger parce que vous avez quelque part qui va vous accueillir très chaleureusement. Donc voilà, j'étais rentré par la porte visiteur et nous avons juste à gauche de l'entrée, il y a encore des fleurs très magnifiques, des fleurs très magnifiques. Je crois que ça, c'est une cage, voilà, une cage de groupe électrogène, voilà. Voilà, ici, c'est le groupe électrogène, la cage de groupe électrogène. Nous avons les fleurs par ici. Et ici, vous avez la possibilité de garer, voilà, toutes les voitures que vous voulez. Hein. Vous savez, le Ferrari, les Lamborghini, les... Yeah, voilà, Range Rover, BMW, en tout cas, moi j'adore. Et ici, voici l'entrée. L'entrée de la dépendance. Là où vous pouvez habiter, c'est l'entrée. Et déjà à l'entrée, vous avez un siège balançoire. Yeah! Africa Zone, c'est l'Afrique, gars. Yeah, vous voyez déjà. Donc, voici le siège. Quand vous voulez prendre de l'air frais, vous venez vous asseyez, vous balancez comme vous voulez, et ça vous inspire. Vous avez de nouvelles idées. Yeah, vous peaufinez vos projets. Yeah, you make your plans and you think about how you can apply them, sorry, je suis au Ghana, donc. Et tolérer mon anglais. OK. Alors, on entre. C'est le salon. Toc, toc, toc. Africa Zone, a channel which displays Africa on the world map and which serves the African diaspora in various capacities by offering it a fresh perspective on the continent.
We serve in real estates, local places and attractions, and with custom commercials. For any further information, please contact us by email via africazone@gmail.com, by WhatsApp on 00228-930-19418 and +17734302994, and join us on Telegram via this link https://t.me/africazone. Yeah, voilà. Wow. Je vous assure. Voilà déjà l'entrée, vous voyez, de l'art africain. Nous avons nos jeunes dames, nos dames à la peau ébène, à la peau bien foncée, luisante, comme certains peuvent le dire, qui sont dessinées par ici. Vous avez la salle, le salon même exprime l'art africain, l'authenticité de l'Afrique. Voilà. Et ici, nous avons... juste à droite, nous avons un espace pour les réunions de famille. Parce que ici, vous pouvez apporter vos familles, tout ce que vous voulez, les amis. Mais même si c'est pour un séjour professionnel, vous pouvez vous réunir ici. Voilà, il y a suffisamment de place. D'accord ? Et une table bien ronde. Et vous asseyez, vous discutez de choses sérieuses. Voilà. Et nous avons ici le salon. Voilà, il y a un salon par ici, très confortable. Très confortable. Ah, je vous assure, cette chambre, waouh. Voilà, très confortable. Et on est là, on cogite un peu. Il y a un écran juste en face que vous suivez, vous voyez, vous captez les chaînes que vous voulez. Et c'est ça. La vie est beau, yeah. Comme mes frères l'ont dit, mes compatriotes, les Toufans l'ont dit, la vie est beau. La vie, elle est beau. Alors ici, déjà, ici nous avons, d'abord c'est une dépendance à trois chambres à coucher. Three bedrooms, ok? Three bedrooms. Et ici nous avons deux chambres par ici. Et... je vous assure, vous allez adorer ce que vous allez voir. Le propriétaire, vraiment, il a été inspiré. Suivez-moi. Nous entrons dans la première chambre. Toc, toc. Yeah. Yeah. Yeah, man. Wow. Ouf. Vous voyez, il y a un lit très bien large, un lit de trois places. Ça, c'est un lit de trois places. Hein. C'est un lit de trois places avec... les oreilles bien propres, un drap bien propre. Le lit est déjà très bien dressé, d'accord? Très bien dressé. Voilà. Fine. Et juste à côté du lit, il y a une armoire avec une glace pour se mirer. Donc, ça, c'est pour généralement pour les femmes. Hein, les femmes, elles se maquillent par ici. Yeah. Et puis c'est clean, elle sort, elle est clean. Yeah. Donc le proprio a tout prévu. Hein. Et de l'autre, bon, d'abord à côté ici, il y a une autre armoire, un petit armoire ici, une petite armoire donc, où vous pouvez garder vos livres, peut-être pour lire la nuit, certains objets. Et puis voilà. Et de l'autre côté aussi, yeah. Voilà, il y a aussi notre armoire par là. Et il y a un rideau que vous pouvez coulisser. Yeah. Et si vous ne voulez pas peut-être allumer la clim parce que la salle est climatisée, ici toutes les salles sont climatisées, hein. Si vous ne voulez pas allumer la clim, vous ouvrez les fenêtres. Voilà. Yeah. Yeah. Et puis de l'air naturel rentre. Waouh. J'ai juste envie de demeurer, je vous assure. Il y a aussi
un ventilo. Si vous ne voulez pas la clim et que vous préférez le brasseur est là pour vous donner de l'air frais. Voilà. Yeah. Donc, c'est ça. Le propriétaire a laissé tous les choix possibles. Je vous assure, tous les choix possibles. Et il y a une douche interne, WC douche interne prévue. Donc voilà le WC douche interne, la salle. Bien propre. Voilà. Il y a un chauffe-eau, ce que nous appelons un chauffe-eau par ici. Il y a un chauffe-eau. Voilà. Le WC est propre, le lavabo clean, la douche propre. Il y a ce que nous appelons un shower. Voilà. Pour faire jaillir de l'eau sur vous. OK. Et il y a une glace à l'intérieur. Très cool. Classe. La classe, je vous assure. OK, on continue l'aventure. Afrigazone est une chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale et qui sert en diverses capacités la diaspora africaine en lui offrant un regard neuf sur le continent. Nos services visent l'immobilier, les places et attractions locales et les publicités à préférence. Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter par mail via afrigazone@gmail.com, par WhatsApp sur le +228 93 01 94 18 et le +1 773 43 02 994, et joignez-nous sur Telegram via ce lien https://t.me/afrigazone. So, les races continuent. OK, on continue notre petit bonhomme de chemin. Ça, c'est la seconde chambre. D'accord? Avant de rentrer, on tape. Toc, toc. OK. Yeah. Wow. Wow. Voilà. Le décor n'a pas vraiment, vraiment changé. Voilà, vous avez toujours un lit de 3 places, un climatiseur, 2 fenêtres. Ici, c'est 2 fenêtres. Alors que de l'autre côté, c'était 1 fenêtre. Donc ici, nous avons 2 fenêtres. Et donc ici, vous avez encore plus d'air. Si vous voulez l'air frais, l'air naturel, vous avez plus d'air. Et voilà, c'est ça. Nous avons aussi une WC douche interne. Voilà, une salle de WC douche interne, tout comme de l'autre côté. Et tout est bien. Voilà. Alors, on visite la dernière chambre. Et ça, c'est la chambre personnellement que je préfère le plus. Yeah. Parce que, vous savez, toc toc, vous savez, ce que j'aime, waouh, d'abord le lit est spacieux. Là, c'est un lit de plus de 3 places. Vous voyez, c'est très large. Très large. Disons 3 places et demie. Voilà, c'est 3 places et demie, ça. Avec, waouh, le tissu, très bonne qualité. Le pagne africain. Ouf. Non, waouh, c'est waouh, quoi. Yeah. Life is good. Yeah, LG. Life is good. La vie est beau. OK. Vous voyez, et ici aussi, c'est le la salle de bain. Voilà, le WC douche interne. On ne va plus l'ouvrir parce que c'est la même chose. OK, il y a toujours un brasseur par ici. Et voilà. Bon, ici, j'oubliais. Il y a une armoire par ici. Voilà. Vous voyez? Fine. Très clean. C'est pour ça que je préfère plus cette chambre personnellement. Voilà, parce qu'il y a tout, quoi. Il y a presque tout. Voilà, ici, tu viens, tu es à l'aise. Tu fais ton petit séjour. Tu oublies tes problèmes pour un moment, sinon pour tout un mois. Parce que tu sais, il y a de ces espaces, hein, de ces maisons, quand tu les visites.
Je t'assure. Même après avoir quitté, ton esprit est toujours en joie. Tu es toujours gay. Voilà, parce que... Non, I'm telling you, guys, I'm telling you. So, let us go in the kitchen, okay? Yeah, I'm trying to speak English, so allow me that, okay? Yeah, this is the kitchen, c'est ça la cuisine. Une cuisine bien spacieuse, très bien spacieuse. Voilà, elle est très bien spacieuse. Ici, c'est 20 mètres carrés, une cuisine de 20 mètres carrés. Voilà, très spacieuse. Vous avez une micro-ondes, d'accord? Ça, c'est une micro-ondes pour chauffer les nourritures. Pas besoin de mettre du feu. Vous avez la micro-ondes ici. La micro-ondes. Et voilà, ça fonctionne très bien. Ici aussi, vous avez la cuisinière. Il y a une cuisinière par ici, de 4 foyers. Voilà, pour vraiment, ça facilite la vie, quoi. Voilà, plus besoin de faire du charbon, de bois, qui détruit d'ailleurs notre écosystème. OK? Donc ici, déjà, avec le gaz, la micro-ondes. Non, c'est cool. Et vous avez un réfrigérateur. Wow. Tout fourni. Yeah, tout fourni, tout fourni. Donc voilà, un réfrigérateur par ici. Et pour rafraîchir vos boissons, vos vins, pour conserver vos nourritures. Et c'est ça. Maintenant, vous avez une armoire dans la cuisine où il y a les couverts, ok? Les couverts, il y a les plats, tout à manger, voilà, tout est disponible, je vous assure, tout est disponible. I like it, I love this, and if you like it too, subscribe, ok? Subscribe, don't forget, subscribe and share, share the video, ok? Partage la vidéo, si tu aimes ce que nous faisons ici. S'il te plaît, hein, s'il te plaît, partage. Abonne-toi et invite des amis à s'abonner, ok? Parce que c'est l'Afrique qui gagne, ok? Donc voilà, pardon. Voilà, ici aussi, nous avons les gobelets pour prendre du thé. Voilà, ce sont des tasses de thé pour prendre du thé chaud, du café chaud le matin. Voilà, si vous avez une journée... de travail intense à faire et que vous ne voulez pas somnoler, vous prenez du café, n'est-ce pas? Ici, il y a du verre à boire. Il y a des verres de vin, voilà, des verres de bière, des verres d'eau. Voilà, vous voyez? Et ça, c'est un cendrier, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Yeah. Cool. I like this house so much. I'm telling you. See? Ici aussi, l'armoire, elle est... Voilà. Et si nous avons un débarras, un petit débarras pour laisser les balais, les serpillères, les pelles, pour l'entretien de la maison. Ici, il y a une sortie de, ben, secondaire, une sortie, voilà. De secours, je peux dire, mais secondaire. Et le propriétaire a prévu aussi une toilette pour visiteurs. D'accord? Une toilette pour visiteurs, ça c'est une toilette. Hein. Voilà, pour les visiteurs, simple. Quand vous faites venir un ami ici, il n'a pas besoin de rentrer dans votre chambre pour se soulager, mais ici, voilà, préparé pour cela. Et je vous précise que cette maison, d'accord, c'est une maison Airbnb. Airbnb, c'est un site sur lequel vous allez trouver des maisons si vous cherchez un local, quelque part où loger quand vous faites vos voyages. Airbnb. A-I-R-B-N-B.
B. Donc, quand vous tapez ça, vous rentrez ça dans le Google, vous googlez ça, vous allez trouver. C'est vraiment un site qui offre de très belles demeures. Et cette demeure, précisément, fait partie de cette demeure-là que Airbnb offre. Donc, ce sont des demeures à coût très réduit. Et quand vous prenez ces services, vous ne serez pas du tout déçu. Voilà. Et moi, personnellement, j'aime cette demeure. Je vous assure. Ah, ça me fait mal de devoir quitter parce que j'ai juste envie de rester. Mais comme on le dit chez nous, vivi me von à la gonti, rafio kopulangbeo. Vous comprenez ça? En éveil ça. Vivi me von à la gonti, à gokunti, rafio sopulangbeo. Ça veut dire que la douceur ne finit pas sur le noyau du fruit du ronier, d'accord? Avant qu'on le jette. Quand vous mangez, c'est toujours doux, 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 doux. Mais finalement, vous êtes obligé de jeter, voilà. Donc, je suis obligé de quitter cette maison, mais je garderai quand même le souvenir. J'en garderai le souvenir. Et ceci n'est qu'une entrée en matière de ce que AfriGazon va faire, de ce qui va se passer ici, sur cette chaîne AfriGazon. C'est pour ça que je vous dis de vous abonner. Yeah, parce que, yeah, there are so many things who will happen on this channel, okay? So, subscribe, do it. Come on, do it. Click. Yes, it's here. Click. Okay, fine. Now, click on the bell of notification, okay? Yeah. Now make a commentary. Put a commentary down, okay? Just like, yeah. Keep courage, bro. Yeah, come on. I like you so much. So, we are at the end of our session this morning, this day. Nous sommes à la fin. Et j'ai vraiment aimé de passer ce moment avec vous. Je vous regarde, hein, je vous vois, d'accord? Donc, j'ai vraiment aimé. Portez-vous bien. C'est Ginola. Je m'appelle Ginola. Et toujours prêt à vous servir. AfriGazon, c'est l'Afrique qui gagne. C'est la chaîne de l'Afrique qui gagne. La chaîne qui relie la diaspora à la terre natale. D'accord? Et c'est la chaîne qui affiche l'Afrique sur la carte mondiale. Alors, à nous revoir. Ciao, ciao. Ah, what?